Salut team, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Aujourd'hui, encore une fois, une vidéo retour. On revient à la team, du coup, avec une dégustation. On a essayé de changer un petit peu le concept de la chaîne YouTube. Mais vous voulez encore des dégustations, du coup, on vous en donne. Aujourd'hui, dans cette dégustation, il y aura une invitée spéciale. Donc voilà, qu'on va ramener tout de suite. Et en fait, on va parler un peu de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Un truc de choc, je suis devenu un millionnaire. Bref, je vais vous expliquer ça en détail juste après la team. Plus sérieusement, la team, on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant tous ces mois où on n'a pas été sur YouTube. Donc comme vous le savez, sur les réseaux, on vous le dit. Si on n'est pas sur YouTube, c'est parce qu'on est dans notre vraie vie active. Donc voilà, dans notre vie IRL, on est en train de faire des trucs. Donc venez à fond sur les réseaux sociaux. Venez à fond sur les réseaux sociaux, la team, pour suivre notre vie au quotidien. Donc très important, restez jusqu'à la fin de la vidéo, la team, pour tout savoir. Et lâchez un maximum de likes si vous aimez les dégustations et si vous en voulez d'autres, parce qu'il y a des vidéos qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà, on reprend. Ouais. On reprend. Bon, on va prendre des tacos et tout ça, ça même. Allez, on va commander. La team, ça y est, on est arrivé au lieu de rendez-vous. Du coup, regardez, on a fait du portail vert. On s'est donné rendez-vous ici avec Ferris. Il nous a dit dès qu'on arrive devant le portail vert, on crie. Et là il sort donc je sais pas, regardez, on est où? On est, il y a que des voitures, il y a un petit chantier à côté. Bon, on crie Fers pour voir où est-ce qu'il est. Vas-y, crie Fers. What? Wesh, il est où? Wesh, tu travailles Fers? Où est-ce que ça arrive? Tranquille, oui, je vais vous inviter. Bonjour. Ici, là, machine. Vroom vroom. Oh, le travail. Oui, le travail. Tu fais quoi dedans, mon frère? Ah, sous le taf, hein, je travaille de l'argent. Ça travaille. Quand tu travailles, travaille. Un petit peu. Va travailler. Non, je rigole. Ah, mais non, c'est vrai, c'est moi, je vous ai invité. C'est vrai, pour le tacos. Tacos? Pour le tacos. Ah, mexicano? Pour le tacos. Oh, le zumba! Olé! Il a pas vu venir celui-là. Comme vous l'avez compris, la team, c'est Fers, notre invité spécial. Voilà, Fers. Le invité spécial. Et qui est Crimo. Voilà, sa chaîne en description, allez vous abonner, etc. Nous on va les commander. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, commande, baby. Team, on a pris tout ce qu'il faut pour manger. Enfin, il y en a qui se sont mis bien. Exact. Voilà, parce que comme vous voyez, j'ai que une compote. Je vais vous expliquer ça en détail. En tout cas, la team, vous avez pris quoi, vous? Ben, on a pris tout simplement, là, on a une frite parce qu'on a pris un menu. Vas-y, ouvre. Avec vous, un tacos de viande, attends. Montre-le. Et un big burger en bas. Du coup, ça fait une petite montagne. Et avec un petit Red Bull. Allez, vas-y. Voilà, petite des Red Bull, pastèque. Oh là 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 là, pastèque. Oh là. Regarde, pastèque, on ça va fait tout pastèque. Ah, il est là en décoration, Momo. Voilà. Les fritas. Ok. Allez, on sort le tacos. On sort le El Monstre. Monster. El Monstro. Si, franchement, ils se sont mis bien. Hein. Moi, je suis avec ma compote là. On va vous dire pourquoi Momo il a rien pris. Vas-y, je vais vous faire la blague qu'il y a dedans. C'est, écoutez bien. C'est l'histoire d'une pomme qui s'évanouit. Et donc, vous donnez une pomme. Ah, franchement, compote, bien des blagues. La team, là, avant de commencer la première anecdote, tapez un croc, Salim. Tapez un croc dans un seul truc. Soit le taco, soit le burger. Burger. Tacos. Pierre, feuille, ciseaux, 1. 1, 2. Pierre, feuille, ciseaux. Yes, j'ai gagné. Aïe, café, là. Allez, allez, petit taco. C'est la poire qui tombe dans les pommes. La team, gros croc dans le tacos, bismillah. Attends, t'as pris quoi dans le tacos, Salim? Oh là là. Ah, j'ai faim. J'ai mis du tenders, oui. Du kebab, oui. Et de la viande hachée. Voilà, et t'as fait voilà. Moi, il y a du tenders, de l'escalope panée et cordon bleu. Et c'est moi, il y a de la pomme et un peu de pomme mélangée, la team. Donc, qui est tombé dans les pommes. Sauce pommataire. Les premiers crocs, la team, gros crocs first. Ok, gros crocs, let's go. Bismillah. Oh là là. Montrez-leur. Oh là là. La team, maintenant je suis comme vous, exactement comme vous. Derrière votre écran, moi je suis dans la vraie vie en train de regarder à manger. Putain de bordel. Tu veux? Mais non, je peux pas. Ok, la team, du coup là je vais commencer la première anecdote.
Tout simplement, pourquoi j'ai ma petite compote? Parce que j'ai fait une opération pour maigrir la team. Eh ouais, j'en avais marre d'être gros. Je faisais des régimes qui servaient à rien parce que juste après, je reprenais du poids. Il arrivait pas à maigrir. Je faisais du sport, mais malgré ça, dès que je fais. En fait, plus je fais de sport, plus j'ai envie de manger. Donc. Exactement, Momo. En fait, au lieu de se dire, j'ai fait du sport, faut pas que je mange. Il fait du sport, il mange plus. Mais parce que j'ai faim. J'ai brûlé beaucoup de calories, tout ça, et du coup, j'ai la dalle. Et voilà, c'est, je suis comme ça, c'est, je suis bizarre. Du coup, j'ai fait l'opération qui s'appelle l'opération sleeve. La sleeve, je crois. Ouais, la sleeve, en fait, l'estomac, il vous coupe l'estomac, il vous laisse seulement un petit bout d'estomac. C'est ce qui fait que vous allez manger en très, 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 très... petite quantité. Petite quantité. La preuve, la compote, là, je vais prendre la moitié. Il va être calé. Calé. Comme si j'ai mangé un tacos ragan, tu vois. Exactement. La moitié. La moitié. La moitié, frère. Bon, j'avoue que là, ça fait... Actuellement, ça fait 3 semaines que j'ai fait l'opération. Donc, je mange un peu de tout. Et en fait, la dernière fois, j'ai mangé quoi? Une nugget et demi, j'étais calé. Donc, un nugget et demi. Alors qu'avant, je tapais le 3 viandes tranquille. Je sais pas combien de ventes dedans et tout. Là, c'était hier par exemple, parce que je travaille, j'ai mangé la moitié d'un cordon bleu. Oh, t'imagines, c'est. T'es calé, ça y est. J'en peux plus. Waouh. Genre, je mange un autre truc, vraiment. Je mange un autre truc, je vomis. Genre. Tu te cotes pour le ramadan. Voilà. Un maximum de bon courage à Momo dans les commentaires. La team, il en a besoin là. Voilà. Actuellement. En tout cas, la team, franchement. Vous pouvez manger, je vous laisse manger. Manger. Du coup, voilà la team, c'est la sleeve. Là, ça fait 3 semaines que je l'ai fait, j'ai déjà perdu 15 kilos. Donc, moi, je m'en fous, je vais vous dire mon poids d'avant et mon poids actuellement. Je faisais 145 kilos avant l'opération, vous imaginez? 100 putain de 45 kilos. Là, je suis à moins 15 kilos, ben 130. 130 kilos. Donc, je me suis pesé il y a 2 jours la team, je faisais 129,7. Et voilà la team, du coup. Franchement, c'est un truc de fou. S'il y a des gros parmi nous, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin si vous voulez perdre du poids, tout ça. Si vous faites beaucoup de kilos et tout. Franchement, c'est très très bien. Il y a même ma mère qui l'a fait. Elle, ça fait 3 mois, elle a perdu 30 kilos déjà. Ouais. Et j'ai encore un ami à moi qui faisait 150 kilos. Et maintenant, il a combien, putain? Il est à 90, c'est un truc comme c'est ça. Moi. Vraiment. 90. Et encore, je crois que j'ai pris large. Hein. Je crois qu'il est encore plus maigre. Du coup voilà la team, pourquoi est-ce que Momo il va pas manger? On a ramené Fels parce que voilà, on va quand même continuer à vous faire des dégustations parce que moi personnellement je peux maigrir. Donc voilà, j'ai perdu 4 kilos là depuis l'été. En fait Salem, ce qui est bien c'est que il fait beaucoup de sport. Voilà, et j'ai le courage, donc voilà, même quand je prends du poids je peux reperdre derrière. Vous connaissez qu'on est gros, qu'on est... Putain moi qui est stickman. Lui il est là et tant mieux, voilà. Il mange. Je vous présente Fels. Non. Les prochaines vidéos, la team, c'est Fels qui va être présent pour les dégustations. Il y aura moi et Fels. Et Momo, il sera présent voilà, pour ambiancer la vidéo. Qui est tombé dans les pommes. Stop. Par la suite, il y aura des vidéos qui vont être publiées sur la chaîne YouTube qu'on a tourné avant l'opération de Momo, histoire d'avoir des vidéos en stock. Donc voilà, c'est pour ça que vous le verrez manger. Il y aura des vidéos à hâte qui vont arriver par la suite ou avant l'opération, etc. Donc ça va être un peu mélangé. Mais en tout cas, il y aura des vidéos où je vais pas manger, ce sera des vidéos récentes entre guillemets. Voilà la team, la raison pour laquelle on n'a pas été actif. Donc la première c'est ça, c'est l'opération. Mais il y en a d'autres, du coup on va vous les raconter. Avant de passer à la deuxième raison, Salem, buvez une petite gorgée de Red Bull, tranquille. Allez, petite gorgée. D'ailleurs la team, même les trucs gazeux, c'est interdit là, je peux plus en boire. Putain, Red Bull pastèque. Red Bull la team, je peux pas boire de Red Bull. Plus de Hawaii, putain de bordel. Aïe aïe aïe. Trop bon. Momo, tu veux? La team, allez, je vais passer à la deuxième raison pour laquelle on n'a pas été actif. C'est tout simplement le bac. Et ouais, alhamdoulilah, j'ai eu mon bac avec mention... Bien. Avec mention bien la team. Donc franchement, j'ai eu le bac avec 14,75 de moyenne. Voilà, félicitations. Alors franchement, je suis content et tout. Un beau gosse. Et ouais, le beau gosse. Donc pour, ouais, et pour fêter ça, je vais taper un croc dans mon bac. Hein. Pour fêter ça... Tombé dans les pommes. La team regarde le burger, deux gros steaks. Donc là, oh là là, un œuf. Il y a du jambon aussi qui est dedans, mais je sais pas où il est caché. Voilà. Du coup, je vais le croquer. Moi, c'est la même chose. On dirait pas le burger de César, mode Fortnite. Ouais, ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah ouais, c'est un blédard de burger de Fortnite. C'est pas Fortnite, c'est Fortnite. Fortnite. Parti. Voilà les fers. Big burger. Alors il est bon ou pas?
My big burger. Voilà la team, donc comme je vous ai dit, le bac je l'ai eu avec mention bien. Et dans la même année, donc j'ai eu mon permis, c'est pour ça que j'étais occupé à réviser tout ça. Réviser, ouais, t'inquiète. Vraiment, j'ai bien révisé pour le bac, le permis aussi, ça m'a pris un peu de temps. Parce que le code bâtard, tu vois, c'était chiant. Vraiment, la conduite, j'avais déjà conduit en moi depuis avant. Donc ça a été un peu facile pour moi. Mais le code, genre... Ah, même moi, quand j'ai passé mon code, t'as des 100 ans. Ah, t'as des panneaux que je vois jamais. Toute ma vie, je l'ai jamais vu. À part dans le code. À part dans le code. Voilà, frère, Moi, pour l'instant, j'ai toujours permis de trottinette. Voilà, frère, trottinette. Électrique, supplément électrique. Ah ouais, supplément c'est vrai, électrique. C'est vrai. Ah ouais. Là, voilà. C'est high level, hein. Mais bon, j'ai moins 3 points, donc j'ai bientôt... Tim, du coup, pour la deuxième raison pour laquelle on n'a pas été actif, c'est ça. Et en même temps, Salem, qu'est-ce que t'as eu, toi, Salem, cette Pendant année que Momo, justement, il a fait son opération, il a eu son bac, ouais, son permis. Là, ça a été bien chargé cette année. Voilà, en plus, avec YouTube à côté, ça faisait trop pour nous parce que moi, de mon côté, on essaie d'être un maximum actif, mais bon, voilà, on ne pouvait pas tout faire non plus. Exact. Moi, j'ai passé une formation pour avoir mon permis poids lourd. Donc voilà, Tim. Ouais. Vous le savez pas, mais du coup... Parce qu'on comptait kidnapper beaucoup d'abonnés et les mettre dans le camion. Et après, on fait une rencontre abonnée, mais un peu forcée. Mais ça arrivera normalement l'année prochaine, en septembre. Du coup, soyez prêts. À tout moment, on débarque avec un gros camion. Il sera rouge. On va vous dire... Ils vont arbattre. Non, mais moi, je vais le faire dessus. Je vais dire, ouais, je vais écrire bonbon à volonté, monter dans le camion. Je vais mettre des... Haribo, je vais mettre tout mettre et tout. Plus sérieusement, la team, donc voilà, moi je travaillais en tant que livreur et tout ça, chauffeur-livreur, en camionnette. Mais moi j'ai toujours aimé les camions, les gros camions et tout ça. Et j'ai eu l'opportunité de passer mon petit permis poids lourd. Donc voilà, je l'ai passé, j'ai passé une formation, ça a duré 3 mois. C'était compliqué quand même et finalement je l'ai eu. Voilà, donc un maximum de bruit. Allez, on fait ça avec un croc. Un croc, t'as le tacos avec voilà. Burger, regarde. Franchement, j'applaudis. Ouais, j'applaudis. Même le burger Fortnite. Voilà, Fortnite, il applaudit. Mais voilà, la team, Salem, il a eu son permis, tout ça. Alors qu'il y a des gens qui sont avec toujours en trottinette électrique. Mention Fortnite. Mention trottinette. Du coup, la team, concernant la suite de la chaîne, comme on vous a dit, il y a cette dégustation que vous regardez. Ce vendredi, Inch'Allah, il y aura la vidéo des Hats. Les Hats, c'est quoi? C'est une série de vlogs qu'on vous avait lancé l'été dernier et qu'on aimerait continuer cet été. Du coup, il y a quelques épisodes qu'on a tourné. Le but de ces vidéos Hats, c'est un concept où on va filmer nos journées d'été. On fait des activités, on mange dehors. Là, on en a tourné deux. Et c'était avant l'opération, donc c'est pour ça qu'on mangeait dehors et tout. Mais là, vous inquiétez pas, il y aura faire ça avec nous, Inch'Allah, pour les prochains épisodes. En tout cas, voilà, la première vidéo de cette année, ça va être ce vendredi à 18h30 la team, donc soyez présents. Et voilà, donc ça va être quoi? Est-ce qu'on a une petite exclusivité? Il y a la mer, ouais, voilà, il y a de la bouffe et il y a un scooter. Et vous risquez de tomber dans les pommes. Un scooter, un stunt dans la mer. Voilà, exactement. Voilà la team, en tout cas, soyez actifs. Vous a dit, voilà. Soyez actifs. Je pense que c'est une vidéo de malade. Nous, on revient sur YouTube. Revenez aussi actifs comme jamais. Voilà. Comme ça, ben, on vous lâche plus. Il y a le petit frère à côté qui regarde Squeezie. Tu le chopes par le callback. Tu lui dis, regarde, team, j'étais fils de. D'accord. c'était magnifique. D'accord. Voilà, ça, c'est un bon exemple à prendre la team. Voilà. Bon, bref. La team, ça nous a fait extrêmement plaisir de revenir sur YouTube. Voilà, franchement, nous, on est chaud bouillant. Là, franchement, je souffle un peu, j'ai le bac, ça y est, ça fait un poids de moi. Ça fait du bien, ouais. Franchement, ça fait du bien. Fares, il est là pour assumer avec nous. Voilà. Soyez nos soutiens, merci à toi, Fares. Allez, la team, allez vous abonner. Voilà, merci. Allez merci. Vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est très important. Il y a des vidéos avec nous qui vont arriver. En description. Et des vidéos, ben voilà, qu'il va faire de son côté. Voilà, la team. J'ai kiffé. Voilà, les gars. Qu'est-ce que dire, qu'est-ce que fait? Mettez un maximum de likes et on se dit à cet été, gang. Ciao et faites gaffe aux camionnettes rouges. Allez, Salem, un punchline. Si je suis pas sur YouTube. Oh, lourd. Rien à dire. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir.